mes amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale pour les énergies du 20 août. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce vendredi. Hein. Moi, ça va, bon, un peu les boules parce que plus le temps passe et plus mes jours se raccourcissent au niveau de mes jours de vacances, que ça passe vite. Bref, les amis, je suis contente. Hier, j'ai reçu un nouveau oracle donc qui s'appelle l'oracle Sacré-Cœur. D'ailleurs, rien que le titre me parle de Dorine Gilbert. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui connaissez déjà Dorine Gilbert, hein, qui est une médium réputée, mais pas seulement, thérapeute et énergéticienne, avec sa maman, hein, si j'ai bien compris. Donc, on va aller faire ce tirage général, j'entends bien, avec cet oracle, mais pas que. Voilà, j'ai le sentiment qu'il faut que je parle parce que ça pourra correspondre à plusieurs personnes à qui ils auraient peut-être besoin de leur service, c'est-à-dire que, vous le savez, dimanche, il y a la pleine lune, et justement, Dorine Gilbert avec sa maman font un soin collectif dimanche 22 à 20h, donc ce soin est une durée de une demi-heure. Donc, je vous le rappelle, elles sont thérapeutes, énergéticiennes et médiums. Pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, mais j'en doute fortement. Et du coup, ceux et celles qui voudraient éventuellement s'inscrire, alors je vous le dis franchement, elle m'a rien demandé du tout. C'est tout simplement que je le ressens. Donc, je vous en fais part, il n'y a aucune obligation. Sachez aussi que c'est un don libre, donc vous donnez ce que vous voulez. Mais je trouve que ça pourrait aider beaucoup d'entre vous. C'est axé sur la libération émotionnelle et pour aussi, vous savez, gérer les conflits intérieurs comme extérieurs. Donc, pour ceux et celles à qui ça intéresserait, voilà, je mettrai l'adresse sous la en dessous de la barre d'infos et de ma vidéo. Et donc, je le répète, c'est un soin collectif pour ce dimanche 22 à 20h, une durée de une demi-heure. Ensuite aussi, oui, j'ai oublié, ensuite, pour ceux et celles qui veulent aussi, il y aura un live pour échanger vos ressentis. Voilà. Et donc, les inscriptions, attention, sont quand même limitées. Je le répète, en don libre et c'est axé pour la libération émotionnelle et aussi travailler ses conflits intérieurs comme extérieurs. Voilà les amis, et je vous le répète, elle ne m'a rien demandé du tout. Donc, je trouve que ça pourrait en aider certains parmi vous qui communiquez avec moi via mes emails ou textos. Hein. Et pour certains et certaines, j'en suis sûre, ça va vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tous les cas, je mettrai l'adresse en barre d'infos. D'accord? Allez, on y go. On va déjà aller voir quel ange de l'Atlantide est avec nous, les amis. Donc, je le répète, c'est une guidance générale. Soit vous prenez toute la vidéo si cela vous parle. Ou sinon, vous prenez par petits passages et puis si rien ne vous parle, si rien ne vous correspond, vous zappez tout simplement la vidéo. Oui, les amis, je le répète, n'allez pas vous faire du mal pour rien. Si ça ne vous correspond pas, il y en aura d'autres. Le but, c'est de vous aider, de vous éclairer, mais non pas vous faire du mal ou vous faire des films ou d'être dans une forme d'illusion. D'accord? Écoutez votre cœur, votre âme. Si ma vidéo vous a fait appel, vous a fait de l'œil, si je puis dire, ou bien elle est venue comme ça d'un seul coup, d'un seul quand vous étiez en train de regarder YouTube, c'est qu'il y a une raison à tout. D'accord? C'est que vous avez forcément des messages. Voili, voilu. Alors, je voulais aussi remercier vraiment, vraiment tous les anciens abonnés ainsi que les nouveaux. Vraiment un très, très grand merci du plus profond de mon cœur, de mon âme, vraiment. Mais pas que, je voulais aussi dire pour les nouveaux abonnés, ne vous inquiétez pas. Je suis quelqu'un de très énergétique. Je suis toujours speed. Voilà, j'ai toujours la patate, j'aime toujours avoir le sourire, mais je suis comme vous, hein, il y a par moments, moi aussi, j'ai des soucis, je suis dans une forme de tristesse, mais j'essaye toujours, du moins que je peux, à me relever, d'accord? Donc, pas d'inquiétude, simplement, c'est ma nature d'être comme ça, je suis speed. Mais je ne me justifie pas, parce que je n'ai pas à me justifier, simplement, ne vous inquiétez pas à vous dire, tiens, celle-là, elle est speed, hein. Ben ouais, c'est ma nature, tout simplement. Et j'aime être comme ça. Je suis comme ça et j'aime être comme ça. Voyez? Allez, on y go?
Mouli Gogo. Allez, zouf. S'il vous plaît, mes guides d'amour, quelle ange de l'Atlantide sera avec nous pour cette guidance générale pour les énergies du 20 août, s'il vous plaît. Ça, oh, ben vous voyez, comme ça au moins c'est fait, c'est dit. Hein. Allez, qu'avons-nous là? Nous avons Raziel. Oui, génial. Nous avons l'intuition. Je venais de vous en parler en plus. Hein. Ah, voilà, donc là, il y a vraiment une forme d'intuition. On vous conseille de bien écouter votre intuition, de bien écouter votre cœur, les ressentis que vous avez. Hein. C'est important. Votre intuition, si vous voulez, c'est vraiment les choses que vous avez envie de faire de suite maintenant. Puis vous savez, comme si au tac au tac. Alors attention, n'allez pas non plus foncer tête baissée sur des situations à laquelle ça vous mettrait à porte à faux. Mais réfléchissez un petit peu quant à faire le pour et le contre. Mais là, en l'occurrence, on vous dit l'intuition. Alors soit au jour d'aujourd'hui, vous avez compris que c'était important de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis. Peut-être aussi parmi vous, effectivement, vous avez travaillé aussi vos sept chakras, mais pas que, il y a les autres au-dessus, hein, au-dessus du chakra coronal. On vous dit que peut-être il y a aussi une forme d'alignement, d'équilibre retrouvé grâce avec travail de méditation. Hein, on vous dit c'est très bien. Alors méditation ou effectivement les soins énergétiques aussi qui font beaucoup ou le Reiki. Hein. Enfin, il y a tant d'autres, hein, vous allez me dire. Hein. Magnifique. On vous dit de toute façon, vous êtes la clé, vous êtes la solution. C'est quoi? C'est votre cœur, c'est vos ressentis, c'est votre intuition, la solution, la clé. Hein. Avec l'ange Raziel, hein, je le répète, voilà. Il y a une forme aussi, j'entends là maintenant, avec tout ce qui est univers, étoile, vous êtes protégés, ils sont là, pas d'inquiétude, écoutez-vous et vous allez voir, tout ira pour le mieux. Hein. Ensuite, nous avons Michel. Oh, il n'y a pas, on a deux. Alors là, nous avons Michel et on vous dit enchantement. Hein, il y a des personnes à laquelle ça parlera. Il y a un enchantement qui va arriver ou qui est déjà peut-être arrivé. Alors effectivement, pour ceux et celles qui ça parlera, peut-être qu'ils vont voir des licornes. Hein. On adore les licornes, hein, faut le dire. Il y a peut-être aussi une notion, ouais, regardez vraiment avec la couleur violette. Pour ceux et celles qui en doutent, n'hésitez pas à prier, à demander aussi à l'archange Michael, c'est là comme on parle. Ne vous inquiétez pas, il sera là pour vous aider dans quelle qu'elle soit votre situation, les amis. Encore une notion avec les étoiles. Il y a quelque chose de mystique, de mystère. En tous les cas, on vous dit, vous allez avoir un enchantement dû à peut-être une surprise, un cadeau. Vous allez être émerveillé parce que l'univers, le monde céleste va vous offrir, hein. Ou alors du bien, ou du moins, pardon, au niveau de vos intuitions, ce que vous allez ressentir, qu'est-ce qui vont vous inspirer aussi, vont peut-être vous aider à vous inspirer dans votre conscience des choses à faire ou pas. Et cela va vous aider grandement et du coup vous allez être ravis, hein. Mais j'entends là maintenant de suite aussi, il y a quand même des cadeaux, des notions de surprises qui vont arriver vers vous. C'est en préparation, c'est en gestation. Voilà les amis. Hein. Mais franchement, de toute beauté, ces cartes, on adore. Allez, go! Il est combien? Faut que je regarde vraiment les minutes pour pas que on perde trop de temps. Allez, du coup, on va prendre l'oracle. Donc, je le répète, Sacré-Cœur, de toute beauté, la boîte, on adore. Et forcément, hein, ceux et celles qui veulent se l'acquérir, hein, vous tapez tout simplement, je pense, hein, sur la barre d'infos Google, Dorine Gilbert, ces oracles, je pense que vous allez après avoir... c'est facile. Hein. Moi, pour qu'on me le mette comme ça sur ma page où j'étais simplement en train de regarder différents oracles, c'est m'est venu comme ça. Hein. Donc, franchement, voilà. Ah oui, aussi, les amis de toute beauté. Alors, hier, avec mon plus grand, nous avons été donc à l'église. Donc, comme vous le savez, on y va régulièrement et j'ai pu donner mes offrandes. Acheter aussi mes bougies, mais pas que, pendant que j'étais en train de faire ma prière, mes demandes à Maman Marie, regardez, il faut le faire quand même, qu'il y ait une plume dans l'église, franchement jamais ça m'était arrivé, on m'a mis en conscience de regarder le sol, donc je regarde, hop, je tourne la petite tête à gauche, et qu'est-ce que me voilà, une plume, donc ça parlera peut-être à plusieurs personnes, le signe de la plume, donc peut-être ça correspondra à vous, cette guidance, les amis,
à qui je rappelle, c'est général. Hein. Magnifique, j'ai vraiment remercié. Voilà les amis, et n'hésitez pas à prier, à demander. Ils sont là, ils vont vous entendre. D'accord? Allez, on y go. Que ce soit pour vous ou pour autrui. Hein. Moi, je fais toujours mes prières pour moi-même et pour autrui. C'est important aussi de le faire, tout simplement. Allez, on y go les amis. Hop. Et on va bien battre, puisque, je vous le rappelle, il est nouveau. Je ne connais pas du tout. Puis vous le savez, moi, c'est vraiment intuitif. Hein. Je ne regarde pas du tout. C'est très, très rare que je regarde les livres. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, sincèrement. Donc, je fais vraiment avec mes ressentis, mes guides. Hein. Vous le savez. Hein. D'accord? Allez, on est parti. On va aller voir. Alors... Ouais, on va aller voir. Je vais déjà mettre quand même bien mon flux énergétique. Hop, voilà que il y a bien mes ressentis, mes bonnes ondes. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Y a-t-il? Oh, ça parle déjà. Hein. Alors là, franchement, je pense qu'il va vraiment parler. Mais je vous dis, hein, dès que j'ai voulu le prendre, j'ai ressenti quelque chose de très fort. Et je savais qu'il fallait que je le prenne, que je l'achète, hein, celui-ci. Donc là, on vous dit, il y a des compromis, des efforts et des actions. Donc là, à un moment donné, pour des personnes, on vous demande peut-être que on va vous aider à comprendre certaines choses dans votre situation, peut-être au niveau du cœur, donc soit amoureusement parlant, ou que ça soit au niveau de votre couple, ou d'une autre personne à laquelle vous êtes amoureux, amoureuse, ou amicalement aussi, c'est possible. Mais on vous dit que là, votre situation, on va vous aider à comprendre des choses pour un petit peu faire en sorte des négociations, que vous mettiez aussi des efforts de votre côté ou peut-être de la personne d'en face à laquelle vous pensez. Hein, et ensuite, il y aura peut-être des actions qui vont être pouvoir, être mis dans la matière. Hein, vraiment. Hein. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va faire que vous allez comprendre qu'il faut vraiment écouter vos ressentis au niveau du cœur et d'arrêter avec la notion de l'ego. Hein. Vraiment essayer de le mettre vraiment dans un coin de votre tête et vraiment faire avec le cœur, hein, les pensées avec le cœur. Hein. Allez, ça revient encore avec la forme de l'intuition. N'oublions pas, le cœur, c'est le chakra du cœur. Hein. Vert, couleur verte. Pardon, j'étais en train de chercher. Allez, go. Ah oh ouais, ça parle. Allez, on les prend. Là, on vous dit, il y a encore des étapes à franchir. Hein. Vous êtes peut-être des personnes à qui ça parlera. Encore en étape à franchir, c'est-à-dire qu'il y a encore des piliers. Hein. Alors certes, ça, vous allez petit à petit... Non, je fais le guidance général. Du coup. Attends, reste là, je vais les chercher. Ils sont où? Alors, attends. Je vais les chercher du coup parce que j'ai fait du tri. Et voilà. Et pas de bazar, les deux doigts. Un bisou. Allez, je vous aime. Voilà. Excusez-moi, les amis. Alors, oui, donc je vous disais, on voit bien que là, votre situation, vous êtes encore avec des étapes à franchir. Alors, il y en a pour certains, ça sera le début. Il y en a d'autres, ça sera dans le milieu. Puis, il y en aura d'autres, c'est la fin. Hein. C'est selon chaque personne à laquelle leur situation évolue. Hein. On n'évolue pas tous de la même façon, si je puis dire. Hein. Mais là, j'entends pas d'inquiétude. De toute façon, pour ceux et celles qui pensent que... comment dirais-je, pour ceux et celles qui pensent que c'est bloqué, il n'y a plus d'évolution possible, vous êtes constamment dans l'attente et rien ne bouge, en fait, c'est un effet optique, si je puis dire. Vous pensez que c'est bloqué, vous pensez que peut-être si vous n'avez plus de communication ou vous ne voyez plus la personne, vous pensez, mais si vous avez la conviction que c'est lui ou c'est elle, ou dans n'importe quelle situation que vous êtes, même professionnellement, c'est possible, hein, que c'est un travail à laquelle vous voulez faire, que vous êtes convaincu qu'il faut que vous vous mettiez à votre compte, ou vous êtes convaincu que vous avez un lien amical, mais que vous avez réellement de l'amour pour lui ou pour elle, on vous dit, hein, si vous le ressentez vraiment avec l'intuition, le cœur, l'âme, on vous dit, continue à vous écouter, c'est important. Hein, mais... Ça évolue, si vous voulez, mais petit à petit, mais sûrement, voyez? Donc, ne baissez pas les bras, c'est ce que j'entends là maintenant de suite en canalisation
avec mes guides. Oui, regardez, là nous avons amitié amoureuse, hein. Il y a peut-être un lien, là il y a peut-être des personnes, effectivement, vous aviez un lien d'amitié avec une personne depuis X temps, mais vous êtes aperçu qu'il y avait plus que ça. Hein. Alors, il y a soit au niveau amitié, hein, je le redis, mais j'entends aussi là, il y a aussi du professionnel, un collègue, une collègue, c'est possible aussi un ex de longue date, mais que vous avez gardé des liens amitié et que vous rendez compte, il y a encore toujours des sentiments amoureux, amoureuses vis-à-vis de cette personne. Ou alors, il y a aussi, j'entends là maintenant dessus, c'est avec ces cartes-là, il y a un lien, vous savez, quand on se dit à la vie, à la mort. Alors, il y a peut-être des personnes qui se connaissent depuis X temps, qui ont peut-être fait aussi ce rituel-là. Mais là, moi, ce que j'entends, il y a peut-être aussi des personnes, hein, c'est vraiment les énergies du moment, il faut le dire, comme s'il y avait un contrat d'âme, de se dire dans une vie antérieure, écoute, on se retrouvera, promis, promis, on fera tout pour se retrouver, etc., etc. Moi, ce que j'entends là maintenant, de suite. Alors attention, c'est vraiment pour ceux et celles qui ont ces croyances-là. Hein. Je ne force personne à croire aux vies antérieures, mais pour ceux et celles qui y croient, au contrat d'âme et le karma, etc., eh bien, on vous dit, il y a une notion aussi de cette image-là. Hein. Oui, on vous annonce changement et transformation. Oui, il y a un changement qui arrive vers vous. Alors peut-être un renouveau de situation. Un nouveau départ, un nouveau travail, un nouveau amoureux, un nouveau domicile, j'entends là maintenant de suite, peut-être aussi un nouveau domicile avec le papillon. N'oublions pas, le papillon, c'est une forme aussi d'évolution, d'élévation entre la chenille et les différentes étapes qu'elle a pour se mettre en papillon. Hein. J'entends aussi, il y a des personnes, pourquoi pas? Votre futur autre ou un ami ou une personne enfin qui tient vraiment à vous, elle vous appelle ma rose. Hein. Il y a une notion avec la rose là. Il vous appelle soit ma rose ou vous adorez les roses rouges ou il va vous offrir une rose rouge. Voilà, tout simplement. Il y a une notion aussi, il y a des personnes peut-être, effectivement, vous êtes en joie dès que vous voyez des papillons, me dit là maintenant de suite en canalisation. Vous m'excusez les amis, je dois vite faire un petit coup, on est rendu à 17 minutes. Franchement, de toute beauté ces cartes. Franchement, elles sont magnifiques et je ressens vraiment fait avec cœur et une bonté d'âme. Oui. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Please, please, please. Ah, là, on vous dit cette situation comporte de la saison de l'été. Hein. Il va vraiment y avoir cet été hein, des compromis, des négociations, des efforts de votre part ou de l'autre, hein, finalement. Et il va y avoir des formes d'action. Alors, comme je vous l'ai dit, des formes d'action peut-être petit à petit, ok, très bien, mais des formes d'action quand même. Donc, soyez ravis de cela déjà à la base. Hein. On vous dit peut-être aussi que la personne, elle va partir en vacances, ou elle est en vacances à ce moment même, ou elle va bientôt partir, hein, c'est les deux qu'on me dit, dans un pays chaud, ou du moins il y aura quand même les cocotiers, là, hein, les palmiers, hein. Alors là, ce que j'entends aussi avec cette carte-là d'été et avec les cocotiers maintenant en canalisation, on me dit, il y a une forme soit de triangulaire ou de carré amoureux aussi. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'aussi qu'il y a des situations qui ont été peut-être aussi en manque de blocage. Ou alors un groupe d'amis ou un groupe au niveau du lieu du travail professionnel et que les choses n'ont pas pu être faites de peur, avec de la peur. Ça a engendré de la peur, du jugement d'autrui. Ou du jugement de la personne, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il des messages clairs et précis pour cette guidance générale du 20 août et pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Et je le répète avec l'oracle Sacré-Cœur. Merci. Je vais allumer parce que j'ai chaud, les amis, j'ai chaud. Puis après, il faut que j'aille faire mon sport. Alors, je ne vous raconte pas. Hein. Allez. Un petit peu de fraîcheur, j'allais dire chaleur. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Alors, les amis, on me dit, écoutez bien,
Ça parlera au moins sûr à une personne, hein. Frère Jacques, frère Jacques, où es-tu? Où es-tu? Sonne les matines, ding ding dong, ding ding dong. Voilà. Et on me dit, c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. On va me dire, mais elle est ouf cette nana. Allez, je vous écoute. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Voilà les amis, je suis désolée, j'ai les poils en haut. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, mais Aurore, que tu nous fais là? C'est des chansons d'enfants, enfantins. Ben oui, mais les amis, avec mes guides, ça parlera à une personne, c'est certain, que ce soit pour eux, pour leur côté enfant intérieur, ou bien peut-être une chanson qui leur rappellera quelque chose, ou un message tout simplement. Voilà. Hein, ou vous le chantonnez aussi, hein, vous savez, c'est peut-être vieux, mais il y a des personnes qui aiment encore ces styles de musique, enfin de chansons, on va dire. Voilà, allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, je suis désolée. Enfin, je suis désolée, non, au contraire, je n'ai pas à être désolée, mais je chante faux, je le sais bien. Allez, on y go, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? S'il vous plaît. Il y a vraiment une évolution, là, je le ressens. Il y a vraiment une évolution. C'est pour ça que vous avez une évolution avec. Et pourquoi vous serez dans un certain enchantement, c'est certain, là. Oui, regardez. Attention, là, on vous dit amour vénal, là. Attention, amour vénal. Hein. Alors, pourquoi amour vénal, là, par contre? Est-ce que vous vous trompez? Est-ce que vous êtes dans des illusions? Ça me paraît bizarre. Alors là, on vous dit, les amis, avec cette carte-ci, attention. Alors que ce soit vous, la personne d'en face, hein. Il y a des choses aussi qui ont peut-être été bloquées pour vous faire comprendre, que ce soit à vous, les personnes d'en face, hein, à n'importe quelle situation à laquelle vous êtes, de faire comprendre qu'il faut que vous fassiez les choses avec votre cœur, votre âme, mais ne pensez pas tout ce qui requiert au niveau matériel, au niveau argent, au niveau. Comment je pourrais dire, au niveau de votre statut aussi, votre statut sociétal, hein, finalement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont un statut assez élevé, c'est-à-dire peut-être patron-patronne, ou sous-directeur, sous-directrice, ou qui ont un statut au niveau pécuniairement parlant assez très élevé. Et du coup, c'est ça aussi qu'il y a eu des modes de blocage, parce que ils se mettent des barrières, j'entends là. Hein, ils se mettent des barrières. Hein. Ou bien tout simplement, ils sont dans leur cocon là, et finalement, ils veulent y rester parce qu'ils ont peur de perdre leur cocon. Hein. C'est leur cocon habitat, maison. Tout ce qu'ils ont actuellement, finalement, matériel, hein, et ils ont peur. Donc, du coup, ils sont un peu voilés la face aussi, hein. Mais ils ont compris, hein, grâce à l'intuition aussi, on le redit, les amis, ils ont compris grâce à leur intuition, à leur ressenti du cœur, que finalement, ça servait à rien d'être vénal, hein. Ça ne sert à rien. Vous savez, vous pouvez être vénal et puis finalement, vous n'avez pas le vrai amour, hein, donc, il n'y a pas vraiment de sentiment, ça sert à rien, hein. Allez, s'il vous plaît, les guides d'amour, y a-t-il d'autres messages pour les personnes à laquelle ça correspond, cette guidance? Alors, n'hésitez pas, les amis, à liker, à partager et pourquoi pas à laisser un petit commentaire.
Allez, on y go, oui. Alors ici, oui, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a des doutes, des tracas, des remises en question, des doutes, des tracas, des remises en question au niveau du cœur. Hein. C'est ce que je vous disais ici, là, il y a un instant avec l'amour vénal. Pourquoi il était en doute, en questionnement? Parce que vous n'avez pas le même statut social, ou vous n'avez peut-être pas le même statut au niveau professionnellement parlant ou pécuniairement. Il y a quelque chose, il y a une notion de ça. Hein. Peut-être aussi au niveau des études, on me parle là maintenant de suite. Peut-être que vous-même, vous avez quelqu'un qui a fait des hautes études, et puis la personne d'en face, vous le savez, elle n'en a pas fait. Mais je vous le rappelle, les amis, les études ne font pas l'intelligence que vous avez en soi. Hein. C'est complètement faux, ça, c'est des croyances limitantes. Hein. Vraiment, travaillez si vous avez beaucoup de croyances limitantes, que ce soit sur la religion, la couleur de peau, je dois pas faire ci parce qu'on m'a. Non, non, non. Travailler, tout est possible. Les miracles existent, la magie existe. Demandez, croyez, espoir, foi et force, les amis, c'est très très important. Toujours positiver. Plus vous allez positiver, plus le positif va venir à toi. Plus vous allez vous aimer, plus on va vous aimer, mais aimez-vous en premier temps avant. Hein. C'est important de le rappeler. Hein. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous n'allez pas être bien, non seulement pour vous, et puis pour les personnes qui vont vous entourer. Ça sera du faux. Hein. Vous serez masque sur masque. Vous allez mettre masque sur masque. Allez, s'il vous plaît. Il faut être naturel, authentique. La vie passe vite. On n'est pas là pour se mettre des masques et de ne pas être soi, de ne pas être authentique. Hein. La vie sur Terre, c'est pas ça. Hein. On a tous un but précis, déjà en premier temps de s'aimer, d'être unité, d'être unis l'un vers l'autre. Certes, on a tous des défauts et des qualités. Ok, très bien. Mais tous unis, on peut y arriver. On est tous pareils. Hein. Et protégeons, je le répète, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Protégeons notre belle terre, Mère Gaïa. C'est important. Nous avons besoin de notre belle terre. Et en plus de ça, elle nous supporte. C'est elle qui nous permet de marcher, je vous le rappelle. Allez, s'il vous plaît. Enfant, là. Oui, il y a un côté, on vous demande de retrouver aussi votre côté un peu enfant intérieur. C'est-à-dire un peu foufoufoufoufou, comme moi finalement. Moi, maintenant, je m'en fous du qu'en dira-t-on des jugements, je m'en contrefous. Hein. Vraiment, là, alors j'entends là maintenant de suite, il y a des personnes, effectivement, vous avez une bonté de cœur, vous avez une belle âme. Mais aussi, essayez de travailler votre côté enfant intérieur. Il y en a besoin. Hein. Eux, ils ne réfléchissent pas, les enfants. C'est spontané, c'est authentique, c'est vrai. Et on veut ça. On est adulte, certes, mais on a le droit de redevenir comme quand on était enfant. On peut, il n'y a pas d'interdiction, c'est faux, c'est des croyances limitantes. Mais pas que, on me dit aussi là, il y a peut-être aussi des doutes, des tracas au niveau des enfants. Donc soit pour vos enfants, à vous les amis, ou les personnes qu'il y a en face de vous. Hein. Il y a peut-être au niveau des enfants, il y a un peu de tracas, de doutes, de savoir comment ça va se passer. Peut-être, j'entends là, il y a des personnes qui ont peut-être plus de 2-3 enfants. Donc c'est peut-être ça aussi qui met un peu de doute. Hein. Mais en soi, ça reste encore des croyances limitantes, tout ça. Hein. Du moment où vous aimez, il y a le bonheur vrai. Moi, je dis, après tout ce qui est à côté, on s'en tape. Voilà, donc on vous dit là, il y a la stabilité et l'équilibre. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a une stabilité, un équilibre qui va arriver, qui va retrouver, que vous allez retrouver au niveau du cœur. Il y a une forme de foi aussi et d'espoir, hein, finalement. Hein. C'est bien, hein. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont quand même dans la spiritualité. Qui ont espoir, qui font confiance au monde céleste aussi, hein, après selon vos croyances, hein, j'entends bien, mais en tous les cas, il y a une forme d'espoir vous avez une force à l'intérieur finalement, vous avez puisé, hein, j'en sens, je sens que vous avez puisé à l'intérieur de vous pour toujours, même s'il y avait une forme d'ego, de récupérer de ce que vous ressentiez au niveau de votre cœur, et grâce à cela, voyez, grâce à travail et travail, ou méditation, Reiki, sophrologie, enfin, etc., etc. On vous dit là, c'est bien parce que vous allez réussir à retrouver une forme de stabilité, d'équilibre pour aller dans cette action de situation qui vous attend. Et je vous le rappelle, c'est un enchantement, hein, qui va arriver vers vous. Hein. Vous allez être enchanté de cette situation.
D'accord? Allez, en dos de deck, on est rendu à 29 minutes. En dos de deck, on vous dit oui, c'est une union sacrée et karmique. Il y a une notion de union sacrée là. Donc, bon, bah, vous prenez et il va y avoir une évolution. Comme je le disais, je pense qu'il va y avoir aussi une notion de déménagement qui va aller bien plus vite que vous ne le pensiez. On me dit là maintenant de suite. Même un habitat qui sera un peu plus, plus grand et j'entends plus grand et plus spacieux et plus luxueux, j'entends. Bon, bah, vous voyez en plus, alors on ne vous demande pas d'être vénal, mais en plus de ça, vous voyez, même l'univers va vous récompenser de tout le travail que vous avez fourni hein, finalement. Hein, donc, mais voilà, ne soyons pas non plus trop dans le matériel, je le rappelle, ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Hein. Voilà les amis. Allez, on va les prendre. Allez, chizou. Donc, je laisserai le lien, je le répète, je laisserai le lien au niveau de ceux qui veulent faire le soin collectif, hein, au niveau émotionnel, pardon. Et puis ceux qui veulent l'oracle, bah, tout simplement, vous tapez dans la barre d'infos. Voilà. Allez, on y go, les amis. Allez, on va les voir. Oh, c'est super complet, s'il vous plaît, les guides. Alors là. Et au niveau des breloques. Please. Ah, bah alors là. Ah, bah là. Là, il y a du monde au balcon, hein, si je puis dire. Allez, on y go, les amis. On y go. Alors là, franchement, j'ai eu la main lourde. Hein. C'est une certitude. Alors voilà, oui, effectivement, on vous dit que là, il y a une situation qui a été bloquée, qui a été en break, qui a été en pause. Mais on vous dit, pas d'inquiétude, il le fallait. C'était comme ça, c'était écrit ainsi, hein, qu'il fallait un mode pause pour que peut-être que ce soit vous ou la personne d'en face à laquelle vous pensez, bah, finalement, qu'elle réfléchisse, qu'elle se pose les bonnes questions, qu'elle se rende compte qu'entre vous, il y avait vraiment quelque chose. Voyez ? Oula, alors là, regardez, hein. On vous dit, écoutez bien, c'est un truc de dingue. Ah, ok, merci. Donc, on vous dit, cette situation, elle perdure depuis le printemps à cet été et l'automne. Printemps, été, automne. En fait, depuis le printemps dernier, on me dit là maintenant de suite que la situation a été en évolution, malgré qu'il y a eu une pause, ok, très bien, mais que pas d'inquiétude pour cet été. Il y a des actions qui vont, ils vont reprendre. Et en automne, ça va encore aller très, très vite. On me dit, vous allez avoir un appel. Alors, un appel, un texto, un email, un message, une lettre, vous voyez. Hein. Alors, en l'occurrence, on vous dit la lettre T. Alors, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. La lettre A, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et la lettre C. Début de prénom, fin de prénom et début de nom de famille. Et là, j'ai le mot tac. J'ai le mot tac et en conscience, j'ai tic-tac. Oh, ils sont joueurs, mes guides, ils sont joueurs. Et là, ça vous fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ou tic-tac, tic-tac, tic-tac. Voilà ce qu'on me dit de faire. Alors, ouhouhou, là, il y a des chiffres au balcon. On l'a, en tous les cas, avec l'adresse email. Donc, il y a peut-être des emails aussi échangés. Hein, ou créez-vous une email. Regardez avec la corde. Effectivement, on vous reconfirme que ça avait été bloqué. Mais pas d'inquiétude hein, là-dessus. Il faut vraiment vous positiver. Tout va aller. On me dit là maintenant de suite avec hashtag. Peut-être aussi qu'il a un compte. Moi, j'y connais rien parce que j'en ai pas. Non. Comment c'est As... Alors, il y a Facebook et... Facebook, j'ai un compte, mais l'autre, c'est quoi? Instagram. Bon, moi, j'y connais rien, je suis désolée, donc je crois que c'est ça. Donc, ça. Il y a peut-être un compte comme ça ou vous-même, hein. Ça parlera à qui ça parlera. Alors, ici, on me dit de prendre simplement le 8 tout seul. Donc là, le 8, on me confirme que cette situation est un amour inconditionnel. N'en doutez pas, c'est un amour vrai, pur et inconditionnel. Il ne faut vraiment pas que vous en doutiez, ok? Mais avec le 8 aussi, on me reconfirme, effectivement, il y a eu des modes blocage. Pas d'inquiétude. Ensuite. Ouais. Alors, ici, nous avons le chiffre 27. Alors, ça parlera des personnes. Alors, porte d'entrée, année de naissance, âge,
le chiffre de rencontre, un rendez-vous, etc. C'est à vous de savoir. Donc le 27, le 72, d'accord? Voilà. Ou le 7, ou le 2. Ensuite, on me redit là le chiffre 22. Le chiffre 22, à qui ça parlera? Le chiffre 22. Et pour finir, là, nous avons le chiffre 3, le chiffre 4, 34, 43. D'accord? Mais qu'on me dit là en conscience que le chiffre 43, il fait 7 et aussi il y a le chiffre 77. Chiffre 77 qu'on me dit là maintenant de suite. À qui ça parlera? 77, année 77, c'est à vous de voir. D'accord? On vous dit, pas d'inquiétude, il y a la fleur, l'arbre de vie, pardon, excusez-moi, l'arbre de vie. Alors, il y en a peut-être pour certains et certaines, comme je vous l'avais dit, vous avez travaillé, donc vous êtes bien ancré, hein, vous êtes bien ancré dû aussi à l'alignement que vous avez retrouvé, l'équilibre. Pour ceux et celles que vous trouvez que vous êtes toujours dans des émotions assez en dualité, finalement, un coup vous pleurez, un coup vous riez, vous ne savez même pas pourquoi. N'hésitez pas à continuer vos méditations et du coup le chakra racine qui va vous permettre d'aller mieux, hein, ou le chakra aussi plexus solaire, hein. Chakra plexus solaire aussi c'est au niveau de ce qui est, on veut réussir, hein. On veut positiver, on veut être bien, hein. Faut visualiser aussi tout cela. Mais on vous dit là en l'occurrence l'arbre de vie. Hein. Il y a peut-être aussi un message pour des personnes où il y a un arbre dans votre forêt ou à laquelle vous vous promenez souvent. On me parle là maintenant de suite. Il y a des initiales gravées sur un arbre. Oh. Il y a des initiales gravées sur un arbre à laquelle soit quand vous vous promenez en forêt ou alors vous avez déjà vu, hein, mais il y a des initiales. On vous dit, c'est un message pour vous. Ouh. Regardez, là, on me dit là maintenant de suite avec la tête de mort. Alors, c'est soit il va falloir que vous fassiez le ménage autour de vous, de personnes toxiques autour de vous, des énergies mauvaises, ou bien on vous dit, on vous parle quand même que là, finalement, pas d'inquiétude, vous arrivez vers un fin de cycle et c'est pour ça que vous êtes dans des énergies un peu de dualité. Regardez la belle plume et que j'ai trouvée dans l'église à laquelle je priais auprès de maman Marie. Non, mais c'est fou, fou, fou. C'est une dinguerie, hein. Et alors là, regardez, hein. Je me permets parce que j'adore. Alors là, j'ai fait. Alors j'ai racheté celle-ci. J'adore. Sainte Thérèse, pardon. Sainte Thérèse, j'ai repris une Maman Marie comme ceci. Une comme ceci. Et aussi Saint Joseph que j'adore avec le petit Jésus d'amour. J'adore. Alors n'hésitez pas aussi, les amis, de laisser des offrandes à l'église. C'est important, ils en ont besoin pour les différents travaux, etc. Ou pour acheter les matières pour faire les bougies. Voilà, donc la plume ici. Et ensuite, nous avons encore le grand chat. Donc là, c'est soit vous adorez les chats, hein. Il y a une notion aussi, jouer au chat et à la souris. Voilà, jouer au chat, à la souris. Peut-être qu'un coup, vous étiez prêt et vous avez foncé, mais lui, il n'était pas ou elle n'était pas, ou vice-versa. Il y a une notion encore de jouer au chat et à la souris. Peut-être avez-vous aussi des yeux de chat, qu'on me redit en conscience. Vous adorez les chats, vous avez peut-être des chats à la maison, hein, vous ou lui ou vous deux. Voilà, les amis, les messages. Écoutez, j'espère que cela a pu vous aider. Hein, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit forcément. Les amis, surtout, 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 restez, ça me tient à cœur. Restez dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout d'amour pour vous en premier lieu et amour pour autrui ensuite. Je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Je vous fais des gros bisous d'amour. Ciao, 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 ciao.